avez entendu? Sophie en fait toujours beaucoup. Je ne parle pas de Sophie. Les coups de maillet. Mais qui peut donc cogner si fort? Marguerite ou Madeleine, tu les as provoquées en leur disant qu'elles étaient incapables. Et voilà, elles construisent leur cabane. Ne dites pas de sottises. Ni Marguerite ni Madeleine ne peuvent frapper comme un bûcheron. Vite, ils arrivent! Dépêchez-vous, je veux savoir ce qui se passe. Alors, que pensez-vous de notre maison? Exposition nord-sud, à l'abri du vent derrière et soleil devant. Tu vois, Léon, toi qui pensais qu'elles étaient trop petites. Comment tu disais déjà? Des bébés à peine sortis de leur lange? Reconnais qu'elles ont de vrais talents d'architecte. Désolée, je n'y crois pas. Ces gamines sont en train de nous jouer un sale tour. C'est impossible que vous ayez déjà fait tout ça. Et comment appelles-tu ça? Un mirage? Courage, mon frère, nous allons les rattraper. Ces rondins sont beaucoup plus jolis que nos planches. Il faudrait qu'on fasse la même chose. Eh bien, les bébés sont très fiers de vous servir de modèle. Mieux vaut être petit et malin que grand et bête. On vous laisse. C'est l'heure du biberon. Ces ouvrières ne sont pas très fatiguées. Elles se moquent de nous. Il y a quelqu'un dans les forêts. Voyons cela. Tu t'es trompée, Camille. Il n'y a rien du tout. Mon pauvre frère, laisse donc ce marteau. Tu joues les fanfarons en pure perte. Les bâtisseurs, ça va comme vous voulez. On a un peu de mal à enfoncer les piquets. Avec un chef d'équipe comme Léon, vous allez vous en sortir. N'est-ce pas, Léon? Oui, bien sûr. Ne me dis pas que tu te laisses dispenser par des fillettes. Le pauvre. Il a l'air malheureux. C'est vrai que tout le monde se moque de lui. Il est trop orgueilleux. Comme moi. Et ça fait faire des bêtises. Mais toi, tu n'es pas orgueilleuse. Tu as... Enfin, tu es... Tu es quelqu'un de très bien. Tu ne me connais pas. Alors, mesdames? Et si nous faisions une partie de cache-cache? Oui, qui s'y colle? Maman et mon oncle. Ah oui! Chère sœur, nous n'avons plus qu'à nous incliner. Il est interdit de monter aux arbres, c'est dangereux. 1, 2, 3, 4. On pourrait me voir. Je vais chercher un autre endroit. 93, 94, 95, 96, 97, 97. Ils ne me trouveront pas. 99, attention, 100. Voyons, mon chien, à l'évidence, personne ne se cache ici. Voix de galantoc. Appris. Oh, c'est vous. Rien à craindre. Mon père ne m'a pas encore. Ah! Oh non, ce n'est pas du jeu de se faire aider par un chien. Oh, j'abandonne. Ces petits démons sont bien trop vifs. Sophie n'est pas avec vous? Sophie! Sophie! Elle n'est pas par là. Là-bas non plus. Sophie, réponds! Nous sommes inquiets, Sophie!
Sophie, où es-tu? Sophie! Au secours! Au secours! Elle est là! Venez tous, Jean a trouvé Sophie! J'étouffe! Au secours! Elle est tombée dans l'arbre! Il faut trouver quelque chose pour la remonter. Viens m'aider, Léon. Pour être engloutie comme elle Qu'est-ce que tu attends? En nouant nos deux vestes, on devrait la tirer de là. Inutile d'essayer, voyons. On ne réussira jamais. Ah. Vous ne pouvez pas aider ton frère? Accroche-toi. Attention, mon fils, ne tombe pas à ton tour! Tu nous as donné une de ces frayeurs! Je criais depuis longtemps, mais personne ne m'entendait. Maman nous avait pourtant dit que c'était dangereux de monter aux arbres. Je sais, mais je ne pouvais pas deviner que cet arbre-là était creux. Imagine qu'on ne t'ait jamais retrouvée. Heureusement que Jean a compris. Lesquels voulez-vous mettre, mademoiselle Sophie? Les bleus. Où avez-vous donc la tête? Je pensais à la partie de cache-cache. J'ai voulu être la meilleure et Jean a pris des risques à cause de moi. Comme Paul autrefois. Allez les chiens, vite, Sophie. Allez les chiens. Attends, Jupiter. Oui, Jupiter, non, le plus fort. Allez, courage, attaque. Oh oh, nos bûcherons ont pris des forces depuis hier. Bon. La farce a assez duré, allons voir. Bonjour les travailleurs. Ne soyez pas si pressés. Ohé, des cabanes! Est-ce que vous avez bien dormi? Non, j'ai rêvé que vous abattiez tous les arbres du parc pour en faire une immense cabane. Laissez-nous donc avancer, nous sommes curieux de vous voir à l'œuvre. Après vous, je vous en prie. Par là! Nous allons l'attraper, Léon, suis-moi. Oui, oui. Il a réussi à s'enfuir, je n'ai pas pu voir son visage. Léon, tu as abandonné ton frère face au danger? Je ne suis pas de ceux qui voient des dangers partout. Tu as raison, c'est la meilleure méthode pour ne pas prendre de risques. Petite insolente, qu'est-ce qui te permet de... Allons, voyons. Ne te mets pas en colère, Léon. On s'amuse. Mademoiselle ne va pas me donner des leçons de morale. Moi, je ne transforme pas tout en exploit. Et si j'étais tombée dans l'arbre creux, je n'aurais pas eu peur. Tu parles sans savoir. Et je m'en serais tirée tout seule. Ça reste à prouver. D'accord, suis-moi. Je vais descendre dans le tronc et je vais te montrer qu'on peut en sortir sans le secours de personne. Bonne idée, monsieur le fanfaron. Mais enfin, tu n'y penses pas? Sophie a failli étouffer. Léon, tu ne vas pas faire cette folie? Évidemment, je ne voudrais pas effrayer mes chères cousines. Elles n'ont aucune raison d'être effrayées puisque tu dis que c'est sans danger. Très bien. Mais comme je ne suis pas désobéissant, moi, je vais d'abord demander la permission à mon père. Parce que tu sais très bien qu'il ne te la donnera pas. Mais si. Tu as mon autorisation, il faut faire taire les mauvaises langues qui t'accusent de manquer de courage. Merci papa, mais ne croyez-vous pas que maman, elle, maman me le défendrait sûrement? Sac à papier, mon garçon, tu n'as pas besoin de la permission de ta mère puisque tu as la mienne. Je risque de faire un accroc à mon pantalon tout neuf.
À la campagne, les Parisiens doivent savoir sacrifier un peu de leur élégance. Il ne faut pas le laisser faire, c'est imprudent. Rassure-toi, je trouverai un prétexte pour l'arrêter à temps. Comme pour les cabanes, il a proposé ce défi par pure vantardise. J'aimerais qu'il se guérisse de ce défaut. Il doit apprendre à affronter le danger. On a été trop moqueurs avec lui. Il l'a bien cherché. Est-ce que vous ne pourriez pas vous occuper un peu de sa cabane? À propos de cabane, j'ai bien failli me faire surprendre tout à l'heure. Oh, il a préféré se sauver. Comment peut-il manquer à ce point de fierté? Je ne sais plus quoi faire. Où est Léon? Au voleur, au voleur! Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous fait à mon fils? Mes excuses, je ne voulais pas l'effrayer. Serpent! Je l'ai pris dans mes bras avant que cette vipère ne le pique. Alors il s'est débattu en criant et s'est enfui comme si le diable lui avait sauté dessus. J'ai mal au cœur. Ce n'est rien, mademoiselle Sophie. Vous avez le mal de mer. Il suffit de manger pour que cela passe. Merci infiniment, monsieur. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous? Je cherche ma femme et ma fille. Est-ce que je suis bien sur la route de Fleurville? Vous êtes sur le domaine de Fleurville. Pardon, mais n'êtes-vous pas mademoiselle de Réan? Blaise! Oh. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Vous croyez perdu au fond de la mer? Mais alors, Paul est peut-être en vie? Dites-moi, Blaise, je vous en supplie, mon cœur va s'arrêter. Est-il en vie? Je l'espère, mademoiselle. Je ne peux pas vous dire. Peut-être a-t-il réussi comme moi à trouver un bateau pour quitter l'île. Mais vous étiez avec Paul, n'est-ce pas? Oui, sur le radeau. On était 3. Ma pauvre Marguerite, qu'est-ce que tu as? Mon papa aussi a fait naufrage. Camille, Madeleine, emmenez-la. Cela doit être très pénible pour elle. Allait couler, il fallait faire vite. Ça tanguait. On était secoués de partout. Sortez des voiles! Le commandant ne perdait pas son sang-froid. Il a arraché une porte et j'ai construit un radeau à la hâte. Et puis, il a fallu se jeter à l'eau. Nous n'avions que 2 bouts de bois en guise de rame. C'était ça où s'engloutir avec le bateau. Peu à peu, la mer s'est calmée. Le lendemain matin, on a enfin aperçu une île et on a accosté.
Hélas, je ne peux pas vous en dire davantage. Des Indiens nous ont emmenés. Lui et mon bon commandant d'un côté, et moi de l'autre. Paul, chez les Indiens? Ils ne sont pas méchants. Le commandant veille sur lui comme s'il était son propre fils. Je me souviens du commandant. Paul était plein d'admiration pour lui. Tu vois, Sophie, tu peux encore garder espoir. Je dois y croire. Paul est vivant, il reviendra. C'est possible, Blaise est bien là. Blaise, la Sibylle. Tout cela me paraît si lointain. La Sibylle. Quel joli dessin. Un S pour Sibylle. Blaise, mais alors, cela veut dire que... Nous aussi, tu sais, nous avons perdu notre papa. Il est mort à la guerre, mais nous avons de gentilles mamans, tu ne trouves pas? C'est vrai. Sophie a moins de chance que nous. Elle a perdu son papa et sa maman. Et elle a été maltraitée par sa belle-mère, cette détestable femme. Nous passons des vacances merveilleuses. On peut jouer, s'amuser, se faire des farces, construire des cabanes. Faire enrager Léon. Maman, maman, on a rencontré un marin que Sophie connaît. Marie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Marie, ton papa n'est pas mort. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas gentil. Il s'appelle Blaise et il était à bord de la Sibylle, comme moi. Viens vite, viens vite! J'ai peur de vous causer du dérangement. Je m'en vais. Mais non, restez. Marguerite nous a parlé de vous. Quelle émotion pour notre chère Sophie. Nous compatissons d'autant plus que mon amie, Madame de Rosbourg, a elle aussi par malheur... Vous êtes Madame de Rosbourg? Ne me dites pas que... Si. J'étais le second du commandant. Descends vite. La fille de mon commandant. Vous êtes sûr que ça va? Papa? Marie, ma chère enfant, tu es devenue une jeune fille. Tant de bonheur, c'est trop pour un seul homme. Madame de Rosbourg a été très généreuse pour votre femme et votre fille. Je les ai aidés à s'installer dans le village. Françoise, au village? Où? Mon frère va vous y conduire, mais attention, votre femme a été très malade, il faut l'aménager. Papa, je pourrais vous accompagner? Je n'emmène que Sophie. C'est à elle que nous devons ces retrouvailles. Un peu de patience, mon cher ami. Maman sera si contente. Elle n'oublie pas qu'elle pense que ton père est mort. Attendez-moi, je vais l'avertir en douceur. Oui, entrez. Bonjour, ma bonne Françoise. Bonjour, monsieur. Je viens pour vous annoncer une nouvelle qui... Vous allez reprendre la maison. Ah non, non. C'est une bonne nouvelle ou un grand bonheur, si vous préférez. Comment vous dire, voilà. Oui. Maman! Enfin, va-t-on m'expliquer ce qui se passe? Vous allez me faire mourir d'inquiétude. Maman, quel serait pour toi le plus grand bonheur? Le retour de ton père. Il est tout près de toi. C'est bon de voir des gens si heureux. Je ne savais pas que vous saviez si bien construire des cabanes. Vous étiez un complice très efficace. Gros travail. Mais j'ai bien ri devant vos mines déconfites. Ça, vous pouvez me croire. Léon, tu n'es plus fâché? J'avais l'air fâché. Jean, c'est merveilleux. Paul est peut-être vivant.
Je ne pense plus qu'à ça. Et en même temps, je n'ose pas y croire. Je suis sûre que tu vas le retrouver, Sophie. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Marguerite va peut-être aussi retrouver son papa. Je crois que sa maman ne lui a encore rien dit. Elle est trop petite, elle ne se rend pas bien compte. Quand je pense à tout ce qui s'est passé en une seule journée... C'est un peu grâce à moi, tout ça. Ah oui? Oui, si je n'avais pas rencontré ce brave homme, tout ça ne serait pas arrivé. Tous ces souvenirs, je croyais qu'ils me rendraient à jamais malheureuse. Mais c'est bizarre, je me sens forte.